d'abord. Mais nous sommes le portail culturel de la grande région, ah, c'est plurio.net. Oui, oui. Voilà. Da gibt's www.plurio.net. Da kann man alles, was an Veranstaltungen stattfindet, nachlesen und nachhören. Und natürlich auch unsere Projekte. Ja. Et là, en ce moment, on a entre 4000 et 5000 manifestations. Ouais. Konzerte, Festivals, Museen. In der großen Region mit Atlas. Zwischen Brüssel, Mainz, Saarbrücken, Luxemburg, Nancy, Metz und wie sie alle heißen. Ouais. Et si on a donc, justement une manifestation, on peut vous contacter aussi? Oui, tout à fait. Ouais, ouais. Il y a un petit login pour s'inscrire. Donc les acteurs culturels peuvent s'inscrire. D'accord. L'accès, il est gratuit. Ouais, das ist ein öffentliches Portal. Ihr könnt euch alle einschreiben, auch als Künstler. Man geht einfach auf die Website und da ist oben so ein Login und eine Anmeldung. Da kann man sich eintragen. Ja, und da es ein grenzüberschreitendes Netzwerk ist, wird das auch zu den Regionen, Nachbarregionen übertragen. Ja, wir arbeiten mit anderen Parteien zusammen. Les derniers jours, il y en avait beaucoup qui se sont encore inscrits. Et en grande région, il y en a à peu près 700 ou 800. 900. 900 déjà. Oui, j'ai regardé la semaine dernière, c'est 900. Il y a vraiment beaucoup de nouvelles inscriptions depuis qu'il y a la version anglaise du site. Ouais. Et depuis, il y a culture.be. Oui. Aussi, on fait une diffusion. D'accord. Donc on fait des interfaces avec d'autres sites, d'accord, voire des supports imprimés. Donc c'est publié sur plusieurs sites. En ce moment, il y a à peu près 130 000 personnes en grande région qui consultent nos informations. D'accord. Merci. Du hast ja auch eins mitnehmen, Schatz. Guck mal.